Associé de Vital Épargne, on est ravis de vous retrouver. Vous allez rendre votre verdict. Celui-ci est-il clair? Oui, il est. Pour vous, et je découvre le délibéré en même temps que nos auditeurs, pour vous, je pensais que vous parleriez de l'emploi américain, mais visiblement non. Pour vous, Warren Buffett vaut plus que 1000 milliards de dollars. C'est votre sentence. Et vous l'assumez? Oui. Pourquoi était-il important aujourd'hui, jour du rapport sur l'emploi américain, quand même tout le monde a Dieu que pour lui, pourquoi était-il important de nous dire que Warren Buffett, lui, attendez, c'est bien gentil l'emploi américain, mais Warren Buffett, il faut que je vous le dise à tous qui nous suivez, vaut plus que 1000 milliards de dollars. Pourquoi alors, ce message? C'est pas lui-même, puisque lui, il a qu'une partie de sa holding, mais Berkshire Hathaway a dépassé, franchi depuis quelques jours, le seuil de capitalisation de 1000 milliards de dollars qui est un signal assez fort, puisque on avait l'habitude de voir des entreprises de la tech, des grandes pétrolières, mais là, il est évidemment intéressant de voir que cette activité d'investisseur patient, value, qui est aussi prudent, mais qui sait être agile dans ses positions, eh bien, quand on voit la performance de l'action par rapport à celle du Nasdaq, par rapport à celle aussi du Dow Jones, c'est un multiplicateur de performance. C'est une indexation à l'économie américaine, plutôt assez traditionnelle, parce que quand on voit ses positions, finalement, on a bien sûr Apple, on a Bank of America, on a du Chevron, on a du Coca-Cola, mais c'est quand même l'économie américaine et la bourse américaine, plus la notion de conglomérat, puisqu'il n'y a pas que des sociétés cotées dans Berkshire et Hathaway. Donc, je trouvais que c'était intéressant de voir que finalement, il n'y a pas que la tech, il n'y a pas que Nvidia, il n'y a pas que les pétrolières. Il y a l'industrie financière qui est évidemment très chèrement valorisée aux États-Unis et qui est très puissante et qui, en fait, fait que les marchés européens et les marchés mondiaux dépendent des marchés américains. Mais je trouvais aussi que c'était une façon de lui rendre hommage, puisque sur 58 années de bourse, il y en a 11 négatives, il y a plus de 20% de performance annuelle moyenne, donc c'est intéressant. Tout le monde l'a cité, moi j'ai été gérant, tout le monde cite Warren Buffett. D'ailleurs, en général, il ne faut pas trop le citer parce que c'est un peu trop facile. Mais l'investissement qui dure, si on n'est pas capable de détenir une action 10 ans, il ne faut pas la détenir 10 minutes, disait-il. Et donc, ça aussi, à regarder avec l'IA, à regarder avec tous les effets de mode, les effets de bord en bourse, parce que finalement, quand on regarde sa liste de participations cotées, c'est à peu près pas la même, mais il y a beaucoup de ressemblances avec les Nifty 50 qu'on a eu dans les années 60-70, des grosses entreprises qui ont aussi déçu, mais qui avaient des croissances de bénéfices. Mais je me demande souvent si Warren Buffett devait commencer aujourd'hui son activité, devait démarrer aujourd'hui ce qu'il a démarré il y a des décennies, est-ce qu'il choisirait les mêmes valeurs que celles qu'il a aujourd'hui en portefeuille, ou est-ce qu'il démarrerait avec d'autres valeurs? Moi, j'ai l'impression que Coca-Cola était déjà dans son portefeuille il y a très longtemps, donc en fait, c'est un peu une réponse j'évite, mais oui, je pense que c'est un investisseur qui a juste des principes de gestion. Et qui, d'ailleurs, dans la liste, vous voyez, il n'y a pas d'entreprises qui ont des difficultés de bilan, de trésorerie, de cash flow, de dividendes. Et ça, sur le long terme, vous faites le calcul sur les S&P 500 sur 100 dernières années, les dividendes cumulés touchaient ces deux tiers de la performance. Et donc, vous avez un peu résumé dans les 1000 milliards de dollars de capitalisation de sa holding. Et puis, on a tout ce qui est inquantifiable, finalement. C'est-à-dire, déjà, sa stratégie et son timing, son positionnement sur les marchés actions. Le fait que, en particulier en ce moment, d'ailleurs, qu'il vende un petit peu certaines de ses positions, ce que rapporte le cash, parce qu'il a un énorme trésor de guerre en termes de cash. Et puis, je dirais, question subsidiaire, mais il y a aussi l'esprit de Charlie Munger qui est avec lui, qui est mort il y a quelques mois, et avec qui, en binôme, ils ont construit cet ensemble colossal. Ils étaient deux. Hein, et cette stratégie du long terme, cette stratégie de vision vraiment à long terme, il l'a bâtie avec lui. Et c'est peut-être aussi le petit substrat en plus de valeur que peut revêtir ces 1000 milliards de Berkshire Hathaway. Et c'est une ode à la patience qui est quand même dans les marchés financiers, avec tout ce qu'on entend, très difficilement audible chez nos clients, chez les intervenants, chez les opérateurs. Effectivement. Alors, on se met dans la peau de Warren Buffett. Est-ce qu'il investirait dans le luxe, par exemple, aujourd'hui? C'est une question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs. Notre fil LinkedIn et notre fil XBFM Bourse, alors que le luxe a beaucoup souffert cette semaine. Hermès a perdu 10% cette semaine. C'est incroyable. LVMH a perdu 8%. Kering a perdu 7%. Pour vous, est-on arrivé désormais sur des points d'entrée dans l'univers du luxe? Oui ou non? C'est la question qu'on vous pose sur nos réseaux. N'hésitez pas à répondre. Vous avez commencé à le faire. Laissez-nous aussi vos arguments en commentaire. Mais voilà, on se met dans la peau de Warren Buffett. Est-ce qu'à votre avis, il y verra un bon point d'entrée? Le luxe, les valeurs du luxe. On parlera aussi des valeurs du luxe illiquides. Enfin, des biens de luxe dont on a parlé tout à l'heure, diamants, etc. C'est un peu différent, mais les valeurs du luxe dépendent de la consommation chinoise. Et en gros,
de tout ce qu'on entend sur l'économie chinoise. Et puis, évidemment, comme toutes les entreprises, de la croissance bénéficiaire. Après, si vous mettez les multiples de valorisation et la performance boursière, je pense que ça rentre éventuellement dans le spectre d'un investisseur long terme. Long terme. Ce sont des valeurs liquides, ce sont des valeurs bien financées qui n'ont pas de problématique de cash. Donc ça, ça coche beaucoup de cases. Après, évidemment, la croissance chinoise, elle est moins forte qu'avant. Je pense que l'économie chinoise est en train d'être nettoyée petit à petit, notamment au secteur bancaire et immobilier. Donc il faut un peu y croire. Je pense qu'elles ne peuvent pas redémarrer tant qu'il n'y a pas une stabilisation de tout ce qu'on entend sur la Chine et le consommateur chinois. Après, ce sont des très belles valeurs. Et elles ont beaucoup, beaucoup de cash. La plupart de ces valeurs sont des valeurs françaises, en l'occurrence. Jusqu'ici, ça a été plutôt un handicap, hein, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, d'être une valeur française, une sous-performance. On a maintenant un Premier ministre, ça y est, c'est Michel Barnier. Ouais. Bon, en tant qu'investisseur, justement, entre autres sur le marché français, est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous êtes indifférent? On n'a pas vu de grosse réaction de marché depuis hier. Vous n'attendez rien parce qu'il sera coincé. Enfin, comment est-ce que vous regardez? Alors, bon, déjà, nous, on regarde le spread entre le taux souverain allemand et français. Bon, il n'a pas beaucoup bougé. Michel Barnier, pour nous, sur les marchés, c'est surtout le Brexit. Donc, c'est quelqu'un qui a finalement assez bien négocié quelque chose qui était très important pour l'économie européenne. Je pense qu'on a au moins un Premier ministre, on n'a pas de gouvernement et on n'a pas encore l'assurance que le budget va être voté. Donc, c'est, je dirais, c'est surprenant, peut-être pas aussi surprenant que le soutien de Vladimir Poutine à Kamala Harris. On parlait de prévisionniste, ouais, donc c'est drôle. Ça. C'est un leurre pour les électeurs. Oui, il soutenait déjà Biden d'ailleurs. Oui. Mais je pense qu'au moins, on a quelque chose pour avancer. La France n'est plus un grand pays décideur. Et avec Michel Barnier, on a au moins quelqu'un qui connaît la construction européenne et les mécanismes européens. Mmh, c'est pas lui qui va donner plus envie à la clientèle étrangère d'acheter des sacs Vuitton ou Hermès. Maintenant, attention, encore une fois, à qui va être nommé au poste de ministre de l'Économie et des Finances. Ça va être regardé de près. Il pourrait encore y avoir quelques résidus de réaction autour du taux 10 ans français, peut-être du spread allemand, voir si c'est quelqu'un de fondamentalement pro-européen, qui a de bons rapports avec la Commission, les autorités européennes, de manière à un peu mettre de l'huile dans les rouages et nous recoller un petit peu à l'ensemble européen duquel on a tendance à départir un petit peu pour nos questions budgétaires. Je en tout cas. Juste que je pense pas qu'on pourra faire pire que la précédente trajectoire du déficit, puisqu'on pourrait avoir un déficit de 6% en 2025, hein, avec l'ancien ministre de l'économie des finances. Bon, on voit en tout cas, il n'y a pas de gros impact, hein, sur le marché obligataire. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne est toujours autour de 70 points de base, 69 points de base aujourd'hui entre les 10 ans français et allemands. Un dernier mot, l'emploi américain, c'est quand même le gros chiffre du jour. Le marché a du mal à vraiment réagir. Enfin, si, quand même, il est plutôt positif, le marché. On est en petite hausse à Wall Street, à Paris aussi. Oui, je crois qu'il donne ni de nouvelles informations, oui, ni de mauvaises. Très mitigé. On est dans une trajectoire de taux, de baisse de taux de moins 25, moins 50. Les probabilités sont à 50-50. Moi, je pense que plus que l'ampleur de celle-là, c'est savoir si on est dans un cycle. Parce que pour être un investisseur long terme, il faut avoir un peu de visibilité sur le cadre monétaire. Si on se pose la question chaque fois, est-ce qu'on va les baisser, pas les baisser de combien? Je pense qu'il faut entamer une vraie baisse de taux, tant aux États-Unis qu'en Europe. Parce que maintenir des taux trop élevés, c'est créer une économie de rente. C'est pas créer une économie productive. Vous voudriez 50 points de base, vous, dès le mois de septembre, ou 25? Un cycle. C'est pas 25-50, c'est plusieurs baisses de taux avec un régime monétaire figé. Oui, parce que 50, ça pourrait inquiéter le marché, pour le coup. On se dit, oh là là, attendez, s'il va si vite, c'est que le ralentissement est vraiment sérieux aux États-Unis. Ça pourrait inquiéter, là. Mais bon, l'emploi, c'est directeur sur la consommation. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de péril. Merci beaucoup. Igor Demac, Vital Épargne, avec nous cet après-midi. Bon retour, Igor. Et donc, oui, c'est votre message aux investisseurs Warren Buffett et sa société holding Berkshire valent plus que 1 000 milliards de dollars. On rappelle, la capitalisation a franchi